Bonjour monsieur. Eh bonjour. Ah, dites-moi, c'est vous qui tenez la menuiserie ? Moi je suis employé depuis hier, donc je suis un petit apprenti quoi. Mais vous avez besoin de quelque chose ? Logiquement, dans pas longtemps là, il y a mon frère qui va arriver avec ma belle-sœur. Je peux avoir des petits renseignements justement. Quel niveau les petits renseignements, vous savez ou pas ? Ah, je sais pas du tout, ils m'ont dit qu'on devait se rejoindre ici, donc je les attends quoi. Et je pense qu'ils vont pas tarder. Après je débute, hein, donc je ferai le maximum pour les aider, mais ah, y a pas de soucis. Les infos, quoi. Mais je crois que c'est pour une roulotte, si vous voyez ce que je veux dire. Ah carrément une roulotte. Ah oui, une roulotte, oui. On est des tziganes, oui. Parce que ouais, on aimerait bien avoir quelques informations sur la roulotte, la capacité, qu'est-ce qu'on peut faire avec, des petites choses comme ça, quoi. Ah ouais, je vais regarder si j'ai toutes les infos là. Oui, y a pas de soucis là. Je vous attends dehors, tout à suite, il faut pas tarder à arriver, je pense. Ça marche. Salut. Hey hey. Quel monsieur de la menuiserie qui a été embauché hier, il est là. C'est un apprenti. Il est dedans, il est en train de regarder par rapport à la roulotte, tout ça, ouais. Ah ouais. Oh bah chiant, mais c'est quoi ces chevaux? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, oh, quelle horreur. Elle a fait une petite teinture et puis elle s'est fait avec eux. Oh putain. Quoi, quelle horreur. Oh, cheval. T'es vu, toi? Attends. Eh, bonjour. Il est là, le monsieur, c'est lui. Bonjour. Ouais, je vois. Bonjour, madame, je regarde. Putain, je vais attacher le cheval parce que j'ai un peu peur. Ouais, moi aussi, je vais... Il y a le monsieur de la menuiserie. Vas-y, on y va. Il a été embauché hier. Il nous chante des trucs bizarres. Oh, la carriole de ses morts, regarde, c'est là-bas. Sur le pont. Oh, ouais, tout en veut. Oh merde, désolé. Oh, désolé. Je suis désolé. Bah, oui. Pas de thune. Oh, j'ai des spasmes des fois, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme info? Parce que moi, j'ai pas grand-chose à vous donner hein, comme info. Bah, pour la carriole, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose pour stocker à l'intérieur? Bah, voilà. Première question. J'en sais rien. Bon. Parce que moi j'ai entendu qu'il y aurait une capacité, mais. J'en ai jamais fait de ma vie donc, j'ai jamais vu. Ah oui. Bah, de toute façon, je sais pas ce que t'en penses, mon frère et ma belle-sœur, mais je pense qu'il nous faut quand même une carriole de ses morts, oui. Vous voulez une caravane, c'est ce... Ouais, une caravane. Une caravane de ses morts. Caravane de chez mort, ouais. Je peux vous donner au moins le prix, c'est tout ce que je peux vous donner. Vas-y. Bougez pas, je vais aller. J'ai pas de soucis. C'est la carriole de ses morts là-bas. Merde. Oh, putain, je suis désolé. Je suis de merde. Je sais pas ce que j'ai un problème. Je suis tout ému. T'es énervé ou quoi? Ouais, je suis tout ému. Putain, il a pas vu sa femme hier soir ou ça se passe comment là? Écoute, j'ai pas pu faire ce que j'ai fait comme avec mon cheval l'autre soir quoi, j'ai pas pu quoi. T'as pas vu ta bonne femme, c'est ça? Ah non, de toute façon elle était avec le patron hier. Elle... Du quoi? Oh merde. Rien. Comment est-ce qu'il est avec le patron? Comment il s'appelle le patron? Matthew Campbell. D'accord. Bon, espérance de vie, 5 secondes pour lui. Oui, il est sur ma cible. Range ça, il est pas là en attendant. Et regarde, regarde. Bien ce que j'ai. Mais c'est... Oh, touche-moi. Je peux pas vite partir, hein. T'as vu? Ah ouais? J'ai eu moi. T'as eu ça où? C'est ma patronne qui me l'a vendu. Oh. 5 boîtes de munitions. Pour combien? 27$. Allez hop. Et c'est un volcanique 26. Ça? 26, oui. Bon, sur 26, comme à date de naissance, c'est parfait. Oui. Mais... C'est 34$ ce sont. Ah! 34$? Ouais, pour une caravane.
Mais c'est bon ça. Pouf, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est bon ça. Ouf. Bah, carrément. Ouais, vous savez d'où. Par contre, j'ai aucune idée si vous pouvez la partager, si vous pouvez donner de l'écrit à quelqu'un d'autre. Ouf. Vous voulez que je fasse comment, ou pas? C'est pas grave. Zoltan, on passe? Attends. Et demain, une prise détente aussi, s'il te plaît. Caravane du Chébord. Caravane des tentes. Bonsoir. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Y'a quelqu'un de la menuiserie? Oui, c'est le monsieur, il est dans ses pensées pour garder le prix des toiles de tentes. Je vous laisse finir. Il arrive. 5,66$. Si vous voulez, y'a une tente là-haut, on a fait un petit showroom. Ah, je vais bien voir, Je vais bien voir, oui. Ouais, venez voir, venez. Ah oui. Ça, je vais bien voir, oui. Parce que bon, ouais, on a bien voyagé, donc, ouais. Encore un peu, hein. Oui. Ouais, vous quoi, elle vide, vous, hein. Ouais, nous. Ouais, on est jeune et frais, monsieur. Oui. Là, tu vois, j'ai tué un ours à la jugulaire. Ouais. Tout pourri. Oh, Bonchot! Oh. Dites-moi, est-ce que on peut mettre quelque chose dans le coffre, monsieur, tout ça? Alors, le coffre, de ce que j'ai compris, vous pouvez mettre des choses et vous pouvez autoriser des personnes à y aller. Et les autres personnes peuvent... Peuvent quoi? Je sais pas si j'ai été clair. Ouais. C'est parfait, monsieur, c'est parfait. Oh là 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 là, donc on a dit combien? 25 pour ça. 5. Non, 5. 5. Ah merde. 5,66 exact. 5. On peut prendre là ou l'autre. Oh là 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 là, on va passer commande, monsieur. On va passer commande, oui. Ok. Oui. Après, j'espère que je me suis pas trompé, hein, mais normalement c'est ça. De toute façon, vous payez rien aujourd'hui. On va faire la commande et vous paierez à la À la réception. À la réception. Ouais. Après, si je me suis couvert d'un prix, vous dites bah c'est trop cher et puis vous prenez pas quoi. Ouais, tu peux. Ok. Voilà. Ah, regarde-moi. Bah, c'est ma bouffe ça. Ah, excuse-moi. Tu mets trop aussi un feu là, comme ça là. Avec le chaudron, oui. Ouais, le chaudron, là. Mais bon, c'est incroyable, regarde-moi, c'est bon aussi. Allez, calme-toi. Pas non plus à bourser ses heures. Vous êtes que trois ou vous avez toute une famille là-dedans? Famille de Tsigan. 75 000, oui. Faites gaffe, hein, parce que une fois que vous posez votre chaudron, pour l'enlever, c'est... Ah. Bah, pas de chaudron, voilà. Ah ouais, bah, ça chaudron, nous arrange même pas, le ça. Feu, hein, tout court. Là, si. Une fois qu'il est posé... Là, je sais comment faire. Ah, t'as une technique? Il faut penser très fort à T, et ensuite vous mettez un slash. Ouais. Vous mettez camp, C-A-M-P, avec un tiré du bas, et je crois que c'est manager. Et du coup, ça enlève le feu. Mais après, ça va vous mettre du coup les objets en question, notamment votre feu, etc. Vous cliquez dessus, par contre votre feu, faut que vous l'éteigniez, sinon vous pouvez pas l'enlever. Si vous éteignez bien le feu, voilà. Vous aurez votre feu, et après vous pouvez l'enlever, monsieur. Eh, vous connaissez tous les bons tuyaux. Eh oui. Ah bah donc, pour le chaudron, c'est bon, on peut prendre alors. Oui. Tout à fait. Eh bah, on prendra. Oui, j'ai pas tout... Vous voulez quoi, du coup? Une caravane? Une tente? Caravane, tente et un chaudron. La plus grosse caravane, on veut. Ah bah, je crois que j'en ai qu'une, hein, tout ça. On prendra celle-là. J'ai qu'un modèle. Ouais, on prendra celle-là. Et trois tentes, c'est bien. C'est parfait, oui. Trois tentes comme ça. Exactement. Ouais. Ça marche. Alors, on a trois tentes, un feu avec un chaudron, une caravane. Ouais. Caravane du Cébord. On passe commande et on revenait d'ici demain, quoi. Ok, d'accord. Pas de problème. Vous voulez un télégramme, peut-être, ou non? Oui. Non, on va repasser directement à la menuiserie quand on sera ouvert. On repasse, d'accord, ok.
Pas de soucis. Ouais, ouais, je vais mettre sur le calepin votre commande, vous inquiétez pas. Vous avez une heure précise contre, pour demain? Par contre, juste pour... Oh, d'ici demain soir, je pense. D'accord. Après, ça peut être prêt avant. D'accord, donc, n'hésitez pas à passer si vous passez dans le... Okay. Ouais, bah, ouais. Caravane du Cyborg. Vous ferez juste un petit nom, s'il vous plaît. Ou la famille, comme... Farkas, c'est très bien. Allez, famille Farkas. Farkas, ouais. Farkas. F-A-R-K-A-S. Voilà. Ça marche, c'est noté. J'ai parfait ça. Donnez-moi votre télégramme, comme ça, si c'est prêt avant, je vous en envoie un. Vas-y, donne-le tien, beau frère. Ouais, moi, c'est Isaiah. I-S-A-Y-A. Ouais. Et c'est Ferka. F-E-R-K-A. Ton télégramme, débile. J'ai pas mon télégramme, putain de merde. Ouais, mais ce sera bien, ce sera bien. C'est, c'est plus pratique comme ça, il a raison. Ok, c'est une crise. C'est la crise. Oui. Je vous envoie un message dès que c'est... Dès que c'est prêt. Oh, ah, mais c'est parfait, monsieur. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, parfait, bonne journée. Parfait. Merci bonne à vous. Bonne journée, monsieur. Putain, c'est beau, ça. Oh là là. Attends, je vais aller me chercher un tamis vu que je suis là. On va ça chercher. Ça feront combien au total là? 5, 10, 15? 15? 15 dollars plus. Faites combien? 35, non? Non! Ah bon? Sotan! Ouais! Combien la caravane? 15 d'attente, combien des caravanes? 50, non? Non, non, c'est 35! Hein. 35, 35 plus 15! 75, parfait. Mais non, n'importe voilà. Quoi, lui. Alors là, 50. Non. Ça fait 50. Bah, on les auront. On les auront. 150 que. Mais ça. Mais putain. Te trompe pas, parce que là, c'est du pognon qui sort chez nous. Donc, je vais te dire, t'as bien compté. Plus le feu, c'est 1,50$ normalement. 51,50$. Ah oui, il y a le chaudron. Oui. Ah oui, ils nous applaudiront combien que c'était ça. 1,50$. Ah, bon ça va. Fais pas. Attends, je vais me prendre un tamis là. Je suis pareil, votre tamis il est cassé. Ah non, c'est là. Ah, j'ai cru que c'était le monsieur. Ah, il faut... Faut bien regarder, je crois. Ah, j'étais... Ah yeah. C'est bon. Ah bah moi j'arrive pas. La goudure, c'est vrai j'en ai 45 la goudure. Sultan. Oh, monsieur Roux. J'ai en train de pencher la dia le natif. Il a dit qu'il voulait des 6, je crois. Ah, mais faut être sûr. Hein. Oui. Il a dit H et 6. Mais bon, on s'en fiche. Pour l'instant, je prends des tabis. C'est parti. On va se faire plus de pépites. Je vais pouvoir les échanger contre des oranges. Je pense non, que d'elle. Je vous suis. Euh, 0,48. 480 grammes. Ça c'est cool. Benga, benga. Oui. Faites tous ici. Faites ici. Tiens, chie toi. Doucement. Okay.
C'est bon, j'ai le repas. Je les ai attrapés à la jugulaire. Ouais. C'est pas mal. J'ai cru que j'allais prendre une balle, hein, bon Jodé, j'ai eu peur. Mais non. Chichi. Du moment que c'est moi qui tire la gâchette, c'est bon. D'accord. Ah oui, ça t'a frôlé, ça c'est. Oui. Ça siffle à l'oreille. Oui. Mais c'est normal, c'est toujours ça. Ah, c'était là. Oui, si, si. Je me rappelleront là. J'étais là-bas, moi. La Sultane. Je crois qu'il trouve rien, Sultane. Je crois pas. Poisson. Allez. C'est à qui la maison là-bas? Ils sauront pas ça. Faire attention quand même. Moi j'ai entendu des gens dans le coin. T'as entendu des gens? Non, une légende. Ah, une légende. Oui. Vas-y, du rond. Il y a un monsieur qui s'appelle le massacreur à la hache. Ah, super. Ouais. J'ai demandé qu'est-ce qu'il massacre. Je pense qu'il doit massacrer des arbres. Ouais, si c'est que des arbres. Voilà. Je pense que c'est ça, oui. Moi je vois pas d'autre explication. Il peut pas se taire. Oh blablabla. Je vais mettre ça. Oh blablabla. Ouais, j'en ai. Bien joué, bien joué. Oui. 0,52. Je t'ai vu là, t'as tapé dans l'eau là. T'as vu. Putain. Cassé mon bureau. Allez, j'ai une pupite entière. T'en veux que c'est quoi? Toujours pour les gonzesses. Voilà. Toujours. Voilà. Je veux dire, la foufoune appelle l'or, moi je te dis. C'est comme ça. Ça va pas toi de dire ça? Une souris verte. Qui courait dans l'herbe. Je l'attrape pas à la queue. J'ai la botte à chier, monsieur. Ouais. Oui. Pour ça, je trouve rien. Demandez combien vous a repris ce que vous venez de vendre, là. Pff, pas 0,04, monsieur. C'est une honte. Ah oui. Ah d'accord. Oui. C'est comme ça. Ouais, pas terrible, hein, du coup. Ah c'était bah quoi non. Que vous avez vendu, exactement? C'était un cougar qui nous a attaqué par surprise, le coca. Mais il était en sale état. Ah, c'est peut-être ça alors, je sais pas. Ok. Bon bah c'était juste par curiosité. C'est... Merci. As-tu aussi. Allez, bientôt, merci. J'ai cru que j'allais me prendre une amende. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, vous êtes le docteur monsieur? Oui, je suis un médecin, pourquoi donc? Parce que j'ai du gizong d'Alaska, vous reproduisez ou pas du tout? Bien sûr, vous en avez combien? J'ai des 55 sur moi. J'ai pas suffisamment d'argent pour vous en reprendre autant, mais disons que 50, je peux vous en reprendre. Pour combien à peu près? $1. Bon, bah écoutez, je vais quand même vous le donner. Ouais, je vous donne même, vous savez quoi, les 55, comme ça, moi je suis débarrassé. Monsieur? Oui. Oh, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, oui. Du coup, vous me disiez. Ah, bah, du coup, je vous ai passé les 55 à un moment où j'ai. Ah, très bien, tant pour moi. Bah, attendez, je vous paye tout de suite. Pas de soucis. Ouais, je vous donne les 55, c'est gratuit, comme ça, je suis débarrassé. Et voilà pour vous. Ah, bah, merci beaucoup, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, merci à vous. Pardon. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. Excusez-moi.
Oui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Tiens, moi la banque. Oui. Les soins posés. Bon. T'as des chouettes bougies hein? Mais je rends... Chut. Oui, fais attention. Je rends la paye de Anna et la paye de Zoltan. Oh, poisson. Qui se moque du pied de la poche, je dis rien, personne. Je leur ai dit combien ils avaient à voir déjà. Oh, puis dis-toi que demain on aura la roulotte de ses morts avec une toile de tente. Ouais, mais c'est pour ça que je vais pas leur prendre leur paye. Oui. Peut-être essayer de faire attention parce que si t'as la paye sur toi, c'est peut-être pas le moment de faire. Des bêtises. Surtout avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, oui. Il y a beaucoup d'Italiens dans le coin, oui. Sultan, il m'a dit que si on faisait les idiots avec sa paye, il allait appeler des... Je sais pas trop compris. De quoi, des aigles, des bocolfiers et tout? Ouais. Oh, bon, ici, bien ne pas avoir une mongolfière qui me suit tout le temps. Ouais, faut faire attention. Ouais, puis c'est pour la famille, donc on va pas piquer. Oh. C'est pour nous tous, la roulotte et tout. Et là, bien sûr. Qui se moque quelques billets dans ma bouche, je dis rien, bien sûr. Non. Juste attends, faut que je paye. Oh, t'as des factures dans ta poche. Ta poche. Ouais. Avec un petit F6. Ouais. Puis ensuite, t'as des factures et tu payes. Ok. Voilà, tiens. Qu'est-ce que c'est toujours la vie d'être un artiste? Y'en a qui ne comprennent pas. Nous, les artistes, on est. Incompromis, personne ne comprend. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça à chaque fois. Ah, je comprends pas cette vie. Je pense que les gens, de toute façon, ils sont jaloux. J'en suis sûr. Oui, ils sont tous jaloux. Est-ce que nous, les artistes, on n'est pas compris? Oui. Je comprends pas, tu vois, c'est tout le temps comme ça. Oui, les artistes. Oui, mais d'où les artistes, on n'est pas compris par le monde. C'est ça le problème. Toujours du choix. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Ça va? Ouais, je paye le docteur, c'est bon. Allez, on y va. On y va, quelqu'un. On y va, quelqu'un. Sache qu'est-ce qu'il faut que je fasse là de mes pierres polies là. Attends, il faudrait qu'on aille voir les latifs pour la pipe. Ah ouais? Je te laisserai leur demander une pipe, quoi, du coup. Pour... Allô? Bonjour. Bonjour. Ce serait pour avoir un rocher de bois, s'il vous plaît. On aimerait savoir si éventuellement vous vendez des pipes à Diane justement. Non. Non du tout. Du tout. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, il y en a nulle part où à l'acheter? Acheter des cigarettes. Bonjour. Bonjour. D'accord. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, d'accord. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bah merci, vous aussi. Hey, le cheval que j'ai acheté hier, il est génial. Même que vous. Il est magnifique, oui. Très beau, très beau. A bientôt. Ça, tu sais ce que ça veut dire, ça? Quoi? Ça veut dire que c'est pas fait pour nous, ça. Quoi? La pipe à Diane. Ah. Et juste en bas, là, il y a du tabac. Bah oui, bah on peut plus rien faire avec. C'était franco, là. C'était direct. Ouais, c'est...
Faudrait qu'on chope. Comment il s'appelle? Celui que j'ai vu qui était très sympathique. Comment il s'appelle? On aurait dû demander lui d'ailleurs s'il était là. Ouais, mais non, on l'aurait pas demandé parce qu'elle a dit non définitivement, donc non, faut pas insister quand c'est comme ça. Bon, même si c'est notre copain. Non, il vaut mieux parler quand il y aura pas ces personnes là, quoi, oui. Ah oui, mais non, mais il faudrait le croiser comme quand on est allé au ranch la dernière fois. Ouais. C'était, putain, je trouve plus son nom, attends. Je crois que je l'avais marqué sur un petit bout de papier, mais je me souviens plus. Attends, j'essaie de m'en souvenir, mais... Ah, comment il s'appelait, cet indien, là? C'est pas Quinoa, c'est... J'avais marqué ce qu'il voulait qu'on garde et tout. Oh, mais c'est pas possible. Ah, c'est... Tellement écrit plein de choses sur ce carnet. Accroche-toi. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est très beau, mais je vais pas mourir. Si ton cheval il fait comme le mien hier. Tiens. Je suis parfait, attends, mais je suis pas. Bouchoir ? Y'a quelqu'un ? Bouchoir ? Wow. C'est quoi ici ? Si j'ai quelqu'un, je crois. Putain de merde. De quoi c'est fourré ? Hein ? Je crois que si j'ai quelqu'un. Shot beard. Putain. Viens voir. Viens voir. Une porte cachée. Wow. Pour une show. Mais je connais cet endroit. Bonsoir. Bonjour. Comment ça tu connais cet endroit? Ça serait bien pour notre famille ça. Pardon? Pour notre famille ça serait bien ça. Non. Bah si. Bah non. On fera un salon clandestin. Ah ouais, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que c'est? Oh rien du tout. Monsieur, monsieur, tout se passe bien. C'est pour... Mais... On te fait pour prendre. C'est quoi ce bruit? Bonjour. De quoi c'est fou? Reste tranquille. Tu cherches pas la merde. Je cherche pas la merde. Comment elle te parle? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Reste tranquille copine. Putain qui est con, putain. J'ai pas appris. Au moins on y est lavé. Oh, elle est tout propre. Ouais. C'était bien Todor, t'as bien. Ouais, je pourrais pas se déshabiller, mais si bien Todor, je suis fier de toi quand même. J'étais prévu. C'était dans le plan. Tu vois, quand on aura une canne à pêche, on pourra pêcher vers ici. Ah. Oui. Non,
c'est un petit étoile. Il y a un feu. Il y avait plein de feu, non? C'est quoi tout ce qu'il y a là-bas au fond? Il y a quelqu'un qui est passé par là. Vers où? Je sais pas, c'était à droite, je sais pas, c'était des oiseaux, je pense. Il y a un bas d'or ici. Ouais, il y a de peut-être. Je propose même de rentrer dans mon lieu. Bonjour. On va tous l'appeler Clément. Bizarre ça. Mexicain ? Je sais pas. Il est chaud tout seul. C'est bizarre. Je pense qu'il va falloir que je fasse dodo. Déjà ? Ouais, je suis très fatigué. Je dors bien. Tu te réveilleras demain ? Oui, oui, oui. Tu seras là à partir de quoi, toi, demain? Milieu de matinée. D'accord. He's around, he's at the walk, yo. No, what should I do? He's the... il est pas là, le boucher. He's at the walk, yo. Oh, please. Il prend nuit, ils seront fermés. Allez, ça te fait voir le boucher. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis sûr de ses morts, il dit. Ah oui. Bon, on va voir. Oh, ouais. Ouais, il m'a sali la biche là. Et on voit le menuisier là. Je suis parti. Ça pardon, part, monsieur. Pousser le, je sais pas. Ah, c'est accéléré, t'es mort là. C'est bon, ouais. Franchement, tu vas pas nous faire chier, je suis enfoiré. Attends, t'as ta maison dans la prairie, quoi. Et comment ça se fait qu'il y a autant de chevaux là? Oh là, oh là là. C'est qu'il y a du monde. Ah. J'suis parfait, chien. Notre roulotte. Oui. On va la voir. Bonsoir. Petit feu. La roulotte de chez Bord. Hop là. Tiens, je suis sûr comme ça. C'est bon, allez-y. We know this one to walk you. And no, no, what are we? Alors, qu'est-ce que je fais? Je les braque, c'est ça? Non, bah d'accord, non. D'accord. T'es sûr? Putain, on se pèle ici, bordel. Il fait froid partout, de toute façon. Ah, il y a du monde. Ouais, ou dans la marmite. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, techniquement, c'est cuit. Mais... Ah. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bah, écoutez, toujours en forme. Touche du bois. Ah, ça, c'est parfait, ça. On vient chercher notre commode. Ah, oula, à quel j'ai nom peur. À quel nom? Au nom de Ferka. Ah, ah, vous vous entendez hier, nous? Ah, oui, mais comme je vous ai dit, petite complication, oui, c'est très. Ouais, c'est pas un problème, c'est pas un problème, on a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est parfait. Sur quoi chercher... Ouais, 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 bah, de toute façon, on est bloqué quand même pour les calls, hein, donc. Ouais, je sais. Bah, ah, oui, non, non, mais oui, 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 bien sûr, bah, prends. C'est pas contre vous, hein, messieurs, c'est juste qu'on a la mine qui nous a bloqué à un bon moment, là, donc on a. Ah, je comprends. Bah, ok, bah, je te laisse. Ouais, ouais, pas de soucis. Allez, venez avec moi. C'est parti. Du coup, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la caravane? Oui. Oui. Ah, il y a un truc qui va pas vous faire plaisir, je crois. Oh, bon. Allez, oh non. Bah, bouge pas.
Elle bouge pas. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais, va leur montrer la caravane si tu peux. Hein. Tu peux la placer pour leur montrer. Ok, ok. Mais ouais, elle bouge pas donc. Ça, c'est ce que je pensais. Vous en foutez du coup. Comment dire, c'est plutôt de style de copo, hein. Ouais, mais bon, ça fait cher le style, non? Bah après, vous pouvez l'apprendre, hein, y a pas de problème, hein. Moi, je suis ravi, hein. Est-ce qu'il y a une capacité d'eau? Est-ce qu'on peut mettre des choses? Bah attendez, je vais vous la sortir, comme ça, moi, ça sera plus clair. Je crois le pire. Ah, parfait. Là, je vais venir avec toi. J'ai l'impression que c'est juste de la décoration, quoi. C'est pas juste de la déco. Ah. Je vous le dis, mais c'est pas du stockage. Et c'est à qui on aura besoin. Et pour le moment, je crois pas que c'est encore fonctionnel. Ah oui, je vois. C'est pour ça. Je vais voir maintenant. Mais réellement, je crois pas que ça encore fonctionne. C'est déjà fonctionnel. Et le reste, c'est un chaudron et un pavillon, on est d'accord? Une tente. C'était une tente. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Je peux appeler ça un pavillon. Bah, c'est un pavillon parce qu'elle est meublée et tout, quoi. Oui, c'est un pavillon, oui. On va aller au-dessus, au camp. Suivez mon patron, il va vous montrer. Oui, je suis. J'ai Jack, viens. J'en ai un, Jack. Ah oui, pour le reste. Non, parce que c'est pour ça qu'on devait en placer une. Mais je vais vérifier. Hein. Mais si encore le problème que j'ai actuellement, je pense pas que je vais pouvoir vous la vendre direct. Je comprends. Parce que on est censé pouvoir s'en servir pour une chose, mais pour le moment, on peut s'en servir pour la mauvaise chose. Hop, excusez-moi. Oh là. Oh, cadeau. Oh, chaud. Ouais, parce que pour le moment, comme je disais, on peut s'en servir, mais pour autre chose. Et c'est la mauvaise boîte d'outils qui a été mise dedans. Ah, basse. Ouais. Alors. Je vais écarter un petit peu aussi jamais. Oui, moi aussi. Voilà. Et en plus, je peux de toute façon pas vous la vendre parce que c'est encore. Ouais, non, c'est pas encore bon. Ouais, bah, de toute façon, non, ouais, si on a réussi avant, non, on aurait pas pris. Ouais. Oui. Ah, on est bougé, hein. Nous aussi, on pensait, hein, c'est pas. Je vous rassure, on est comme vous. Hein, pas... D'accord, ok, Vous avez, voilà, si même mon collègue, quand il vous a dit caravane, il pensait à une caravane. Ah bah, je pensais à un truc qui roule et qu'on peut aller plusieurs dedans, quoi. Non, c'est pour ça que je vous dis, ça sert pas à ça. Bah en fait, on voudrait ouvrir un marchand ambulant. Qu'est-ce qui pourrait nous servir, du coup? Mais je sais pas si c'est pas ça qu'il vous faut quand même, en fait. Mais il faut qu'il... Venez. Je vois ce qu'il veut dire, je crois. Venez ici. Mauvaise boîte d'outils. Ça, c'est la boîte d'outils des menuisiers. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment c'est la boîte d'outils des menuisiers, mais c'est pas censé être ça, donc j'imagine que c'est peut-être pour un marchand. Vous êtes peut-être pas loin, mais je peux pas vous dire encore. Par contre, si vous voulez, une fois que c'est fait, je vous tiens au courant, mais là je sais pas. Vous nous tiendrez au courant, ouais, que ce sera fait et on verra, putain. Ah ouais, c'est dommage. Oui. Bon, c'est pas grave, hein. Bah, on va vous prendre 3 tentes de plus équipées. On avait dit combien de tentes là déjà? On a une là pour vous là. On va t'en prendre 3 en plus. Bon, ouais, bah. Tu peux prendre de l'autre commande, t'en fais pas pour les causes, ça pourra attendre sans souci. Messieurs, dames, excusez-moi, qu'on se comprenne, hein, les tentes fournies, c'est les pavillons hein, qui sont à droite, hein, c'est ça hein? Oui. Ok, ouais, c'est non, ce voilà, c'est ce qu'ils ont pris à la base, ouais. Ouais, c'est la droite là. Je veux pas qu'il y ait de confusion. Vous avez vu, c'est sympa, hein.
Et étant vide, alors vous pouvez les remplir en fait. Hein. C'est ce que je dis aux gens, faut pas les laisser vides. Hein. Oh, être bête. Non, c'est sûr. Ouais, par exemple, ici j'ai mis une petite lanterne avec des chaises. Voilà. Et alors, tout ce qui est pavillon, à chaque fois vous avez de quoi vous changer à l'intérieur. Hein. Et n'oubliez pas les coffres. Vous pouvez d'abord mettre ce pavillon et après vous pouvez mettre des coffres à l'intérieur du pavillon. Tu as tiré sur ça, oui. Hein, faut juste penser à le faire, c'est tout. Bah, c'est pour ça que je vous dis. Nous, on est en train d'équiper au fur et à mesure pour donner des idées et pouvoir montrer ce qui est possible de faire correctement. Mais bon, pas encore fini. Oh, pas chaud, oh non. Donc, 4 pavillons au total, ça fera combien? 4. De quoi 4 complets. On est sur combien? Sur du 100 et quelque chose, je crois. Je vais regarder. Ouais, vas-y. Oh là. Ma belle-sœur et mon frère, je crois que je vais tomber dans le plateau, oui. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis malade. Qu'est-ce que t'as? Je crois que je suis trop froid, oui. Oh, il va nous canner dans les pattes, lui. Ah non, 4, pardon, on est sur 82. 82, les 4. Okay. Les 4, meublés, hein, on est d'accord. Ouais, meublés, ouais. Après, il vous faut juste encore, si vous voulez, c'est les équipements aussi de feu chaudron, banc, tout ce qui est lanterne, enfin ça, c'est, je veux dire, si vous voulez, quoi, en fait. Auto d'attache pour cheval, c'est intéressant, hein, par contre. Ouais, ça on y pensait aussi. Ouais. Et 1 égale 2 cheval. Donc pour vous, il en faudrait 2. Ok. Et le chaudron, c'est combien ça, le chaudron? Là, vous l'avez déjà commandé, c'est 5,77$, je crois, de mémoire. Ah oui, entre, ouais, entre 5 et 6. 5,10$. 10, okay. Voilà. C'est compris dans les 82$ là? Non, alors, ça, c'est non, que non, des pavillons non, qui sont compris 5, dans les 87, ok, 87. 75 000. Non, ferme-la, toi. Donc, les poteaux, j'en mets 2. On en met 2. 2, ça vous fait 2,98. Ok, allez, on part pour ça. C'est pour ça que je vous dis, parce que vu que vous êtes 3, 2 poteaux, c'est bien, parce que je vous assure que sinon, c'est hyper ennuyeux avec les chevals. C'est même pas pour vous vendre, là, c'est vraiment parce que je sais que c'est une galère à terme. 2 poteaux, 4 tentes, enfin 4 pavillons. Ouais, il vous faut des bancs ou... Les bancs, on va attendre. C'est pas très grave. Ok, il y a bancs, tabourets, chaises pliantes, hein, et chaises. Ouais, bon, on reviendra au fur et à mesure. Ouais, et puis le chaudron. Ça, c'est pour dire justement. Et le chaudron, ça marche. Ouais, c'est bon. Bon bah Jack, du coup, les 3, c'est les 3 derniers notés, tu peux te noter à toi, hein, je t'en prie. Ouais, ça marche, merci patron. Bah, écoute, tu me diras merci dimanche. Hein. Ouais. Ok. Bah, venez avec moi. Bah, par contre, on peut pas tout payer aujourd'hui. Là. Alors, de toute façon, je peux pas tout vous donner aujourd'hui. Comme ça, au moins. Ouais, bah, ah, bien. Bon, bah, parfait. Je peux vous donner 2 pavillons, le chaudron. Bah, c'est bon. C'est déjà pas mal, non? Ça fera dans les 46$ à peu près. Ça, c'est bon. Ça passe. Allez, suivez-moi. Jack, tu modifies juste alors la note au bureau, une fois que tu arrives. Et alors, tu placerais sur commande, hein, du coup. Comme ça, on est OK. Qui manque, quoi. Juste si on pose le feu, on peut mettre d'autres pavillons à côté plus tard. Ça pose pas de problème. Non, ça, y a pas de souci. Hein. Ça marche, OK. Eh, patron. J'arrive. Je me sens pas bien. Ça va. Je vais y aller, hein, vous en faites pas. Oula. Ouais, ça va aller. Moi aussi, j'étais pas bien, moi aussi. J'ai pas... Écartez-vous, il va dégueuler. Oh, bah chaud. Oh, bah mince alors. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils m'ont servi, les wapitis? C'est ça, que c'était la faute des natifs, je le savais. Oh, ah oui, mais par c'est contre, vrai, vous avez de la place, j'espère. Oui. Je te laisse t'en occuper, déjà qu'il me reste un peu dans le pavillon, hein, j'arrive. Ça marche. Bah, les pavillons, c'est 20 kilos chacun. Ouais, j'ai de la place dans mon cheval, moi. Et après, le chaudron, c'est 1 kilo, ça va, ça. Donc, ouais. C'est beau. Il va falloir que j'aille voir le docteur, je sais pas. Vous voulez une facture ou directement comme ça, à la main? Une facture, belle-sœur, ou là-bas? Ouf. Voilà, bah, Vous ferons confiance, hein. Ouais, allemand, vas-y. Ouais, de toute façon, moi, de toute façon, après, je donne l'argent au patron, moi, donc... Ouais, de toute façon, c'est sa merde, voilà. Ah. Bah, c'est son problème, c'est pas le mien, quoi. Voilà. Bon. Enfin, en attendant, le patron, il est pas bien. Ouais, bah, c'est la vie, hein.
Ouais, toi, les cheveux gris, il n'a plus pour longtemps. Hein. Il n'a plus pour longtemps. Oh. Non. 75 000 secondes, je pense. Ah, venez, venez, on va à l'entrepôt. J'ai dû attraper la Shkowitch, quoi. T'as qu'à mettre un manteau aussi, là. J'ai carlié au coq. Il fait froid ici. Oui. Oh, qui c'est qui a tué le chat, là? C'est horrible. T'es sérieux? Quoi? Personne qui paye ou... Ouais, ouais, c'est madame qui paye. C'est madame. Ouais, ah, c'est bah. Moi. D'accord, je vous fais le total, ou j'ai pas. Elle veut pas que je tienne les côtes. Non, mieux vaut pas, non. Ah non, 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 non. C'était une bonne affaire, ce soit de casse pépites d'or pour 80 euros, je me suis... Non, 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 pas. Mais... Putain, on va arrêter de parler de ça, merde. Aïe. Oh, chaud. Ça m'énerve, cet abruti. T'as ruiné la famille à cause des conneries. Ça fait... Ça fait 46 dollars et 10 cents, s'il vous plaît. 46, 10, ok. J'étais jaloux du bonheur, badass. Ah, parfait, parfait, parfait. Voilà. Qui veut un pavillon, là, du coup? Ah, qui c'est qui a une poche vide, là? Ouais, je peux en portier, mais pro... Comme vous voulez. Ah, vas-y. Prends-en, je prendrai demain. Ok. Bah, de toute façon, j'en ai deux à donner, hein, donc... Non, mais il y en a deux, Zoltan. Bah oui, c'est parfait. Bah, un pour moi, et un pour le monsieur derrière, ouais. Ouais, vas-y, je vais pouvoir. Ah, madame, non, je vous donne le chaudron, ce sera moins lourd, vous inquiétez pas. Chaudron, allez. Ouais, ça va te servir. Ouais. Fais gaffe, hein. Oups. Ouais. Vous êtes sûr, vous avez les poches vides là, monsieur? Ouais, je vais te qui sur moi, quoi. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous l'avez eu? Hein? Alors? Shido, ouais, tu dis. Bah, un truc de 20 kilos, ça passe pas inaperçu quand même. Là, c'est bon, là, c'est bon, oui. Ouais, ça a mis un petit peu de temps à partir de ma poche, donc. Oui, oui. Oh, bon, chaud. Eh ben. Ouf. Je pense que j'ai dû mettre du survie. Non, pas autant, je vais mourir. Allez, c'est parti. Oh. On s'installe où? Je sais pas, comme vous voulez. Après, on peut enlever. Ok. Oui, là, oui, là on est bien ici. Ou là-bas, le point le plus haut, là-bas. Je dois, il y a là-bas plus haut, oui, là-bas plus haut, il y a une belle vue là-bas, oui, oui, oui. Et puis on verra la cascade. Comme ça, je pourrais balancer Célia si ça va pas. Allez, c'est parti. Ouais. Quoi? Quoi? Quoi, Kekia? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit comme ça, je pourrais avoir une balancer belle vue avec Célia. Non, la balancer au 7ème ciel. Non, 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 j'ai entendu balancer Célia. Bah oui, au 7ème ciel, oui. C'est bien, Todor. Ah! Oh non, Georges! Ah! Pourquoi t'es pas allé doucement? Oh ma Georgette, elle a mal. Oh là 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 là. Ah, il fallait y aller doucement quand même. Oh ma Georgette. Toi, c'est rien, t'inquiète pas, fidèle au saucisson. Allez, c'est parti. Ah, ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Aïe, 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 putain, c'est bordel. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On peut pas là. Hein. T'inquiète pas, tiens. Attention à toi. Aïe, aïe. Oui, 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 oui.
Passez par ici, mais douche pas. Passez ici, douche pas. Plus simple à pied. Non, non, t'inquiète pas, allez tout droit là. Ça passe. Chaud putain de merde, j'ai couché de vie de merde. Oh boy, choc, c'est joli ici. Oh oui, 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 c'est très joli ici. Oh putain. Boy, choc, c'est magnifique. Oh, j'ai envie de sauter. Oh mon dieu. Oui, j'ai envie de sauter. Ah oui, bah saute. Je vais faire comme le zoo. Attention. Ah merde, on voit pas la casquette. Tu vas finir en charpillon. Oui. La cascade, non, on la voit pas. Oh, bah, si, sinon, il y avait encore plus haut là-bas. Non, bon, ça va aller, les amis, on va se calmer. Qu'est-ce qu'il y a, Zoltan? Je fais du vent. Voilà, regarde, on fait du vent. T'as beau, ici, là, c'est bien ici, parce que si ça se passe pas, on peut s'échapper par ici. Oui, on peut s'échapper par là, tu vois. Oh putain. Chérie, t'inquiète pas. Ah la vache, je me suis cassé la gueule. Je t'entends, quoi. J'en ai marre. Regarde-moi, c'est dans quel état que je suis. Ah, on fait un feu là, alors, c'est parti. Ouais. Oui. Allez, c'est parti. Ça me donne envie de chanter, ça. C'est qui pose le feu, alors, du coup. Je vais le faire, vas-y. Alors, c'est grand une toile de tente ou pas? Bah oui, quand même, hein. Attends, je vais bien me mettre comme ça. Mais plutôt le... Ouais. Et puis, ouais, je pense que c'est bon. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par les... par la queue. Par la queue. Tu voulais l'attraper par où, toi? Par les tétés. N'importe quoi. Bon, tu la poses, cette tente. T'as un petit moineau qui t'a foncé dedans. J'ai voulu taper, mais c'est moi qui ai failli tomber, oui. J'ai pas la toile de tchat, pas pour côté. Ah! Eh oui, je te l'avais donné. Zoltan, faut que tu lui donnes la toile de tente. Non. Eh putain, il y avait d'autres commandes aussi qui étaient prêtes aussi. Oui. Bah oui, vas-y, file-lui la toile de tente là, puis après on va changer la commande, et puis après on continue. Oui. Ouais, dans le cheval. Je reste pas qu'on fout pas dans vos poches, ouais. Faites attention à vos sacoches, hein, au siège. Bah, faut pas fouiller dedans, c'est. T'es sûr? Bah, normalement, on peut pas. Hein. Attends, je vais voir. Il a peut-être changé, oui, peut-être bien, oui. Moi j'ai donné, hein. Non, je peux pas fouiller dans ces sacoches. Ah oui, ça a été changé. Oui, d'accord. Écoute, c'est intéressant.
Ah, faudrait pas parce que moi j'ai plein de trucs dans le cheval. Oh, le coup. Magnifique. Ça vous va, Kofia? Bah oui. On est bien de l'autre côté. Ouais, c'est bon, nickel. Oh là là, excellent. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à Zoltan. Ouais. Et Zoltan me dit... Oui. Dites-moi, il dit oui, de... bon d'accord. C'est quoi vos... vos numéros? 6. 07. Ah non, c'est bon. Oh, mais c'est si... Oh, regardez. Hop là, c'est bon. Attendez, je vous botte ça, attendez. Oh mais... Oh Seigneur. Ça va. Oui. Mais t'es bonne. C'était grâce au cas, oui, que tu as pas, oui. Bien que je peux quand même, mais bon. Donc voilà. Mais ça, tu l'as grâce... Oui. C'est pas un truc que j'ai mal fait, quoi. Non. Ok. Oh, on va se réveiller, là, regarde. Je m'imagine déjà avec mon petit café et tout. Je suis pas sûr, il faut qu'on aille chercher les autres, là, qu'on achète tout. Tu l'as, le feu, là? Oui, il est juste voilà. Bah, il est devant toi. Mais non, mais le gros feu avec la marmite. Ah oui, je l'ai. C'est prêt, ça peut dans ton cheval, je suis pas guide. Non, il est sur moi. Ah oui, t'es peut-être pas à toi de le poser, par contre. Je vais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donne-le... tu fais des rôles de oui. Attends, je lève le petit feu, je vais mettre celui-là, hein, du coup. Hein. Voilà. Mais là, mais faut mettre les deux feux, je crois. Mettre le petit feu et le gros. Non, tu t'invites pas. Voilà. Attends. Parce que, au chaud. Attends. Ouais, c'est bon. Oh, c'est pas facile. Tiens, voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Et où est casserole? Il faut la mettre. J'espère qu'il vous l'a donné. Non. Comment ça, il vous a pas donné la casserole là? J'ai rien d'autre, hein. Attendez. C'est très complexe. Oh, bon, chaud. Oh, attendez. Ah, il faut que je regarde là pour aller, d'accord. Tu vois, mais c'est pas chier. C'est bruit. Je suis rien, c'est je sais pas ce qu'il a. Et voilà. Alors là, et franchement. Pff, magnifique. C'est bien, elle a rallumé le feu, c'est très bien. Oh mon dieu. Je suis tellement content. C'est magnifique. Ouais. Je peux faire cuire ma viande. Oh là là. Il du faut les yeux de tortue et chez nous les rois du monde. Alors attendez parce qu'on a un souci les gars. Oui. Bah, c'est Lia qui a l'argent. Ce seront ta femme qui a notre pognon. Ah bon ça. Lui nous reste combien à la banque? Plus rien, j'avais compris. Ah merde. Là j'ai. J'ai 21 sur moi. Oh putain. Elle peut arrêter de cracher comme ça. Remarque que c'est beau ici quand même. J'ose pas me lever. Moi non plus. J'ai 4 fois que j'ai pas envie en fait. Je fais comment? J'essaie de me lever. Levez-vous. Tu as un petit relasso. Non, je déconne. J'essaie. Attention. C'est beau. Ça va? Il a tapé une proche. Oh bah merde.